Bonjour tout le monde. Bon, je vais vous filmer maintenant un haul. Donc, il y a plein de sacs ici. H&M, Kix, Boxum, un peu de parfum, de tout. Voici un peu les sacs ici. Donc, je vais voir là. J'ai un sac. Donc, je vais commencer par ma vidéo. Bienvenue à ma chaîne. Et je vais vous faire un haul de ces deux sacs. Donc, d'abord H&M. Ici. Je commence par les belles robes que j'ai achetées. Donc, j'ai acheté une robe là à H&M, très belle. Elle est assez longue quand même. Après, j'ai acheté une autre robe. Mais ce qui est drôle, c'est que celui-là, il est en pointure 42. L'autre, il était en 38. Non, celui-là, il est en 38, oui. Et je pense que le premier, il est en 36 ou quelque chose. Donc, cette robe-là, il faut une pointure un peu plus large. Donc, c'est des nouveautés que j'ai vues directement dans le magasin. Je me suis dit, je ne vais pas rater la chance, je vais en prendre. Et vous m'excusez, je ne parle pas assez fort parce que les gens dorment. Donc, ça c'est la troisième robe que j'ai achetée. Donc, je n'ai pas acheté trop de choses, mais genre, c'était pas prévu comme ça. Donc, je sais que des fois, quand on cherche vraiment, je dois regarder ici. Pardon. Donc, quand on cherche vraiment des habits, des fois, on ne trouve pas. Donc, je me suis dit que vraiment, ça c'est bien pour l'été ou bien à la maison ou bien si on veut prendre des photos. Et après, j'ai acheté deux leggings. Et avec ces leggings gris, d'habitude, je suis accro à acheter des leggings en noir de H&M. C'est trop confortable. Je dors avec comme pyjama. Je me promène avec à la maison et tout. Donc, j'adore. Et après, j'ai acheté pour les petits, pour le petit. J'ai juste acheté deux petits pantalons là, c'est un peu confortable, donc peut-être les acheter. J'ai acheté des habits pour il n'y a pas longtemps. Pour le grand aussi, la même chose ici, pour lui. Donc lui, il a la pointure, j'ai pris une pointure 8 à 9 ans pour lui. Et l'autre, je pense 5 à 6 ans. Parce que quand on lave, ça raccourcit. Et après, sa pointure normale ici. Oui, parce qu'il n'y avait pas d'autres pointures. Et puis, après, des chaussettes. Deux paquets pour les deux. Et ça, c'est les anti, anti-glisse, comme on dit, je pense. Et après, excuse-moi le téléphone. Je fallait que j'achète un autre soutien, un change de pointure. Parce que au lieu de 75B, il me fallait 80B. Donc, c'est ça. Donc, ça, ce sont les robes, sont très très belles, j'adore. Et oui. Donc, on va aller pour les deux habits. Ça, c'est à Cap Hall que j'ai acheté. Donc, un paquet de collants et j'ai essayé des collants de meilleure qualité ou bien des collants parce que ça c'est les paquets un peu moins chers et puis je me suis dit que les autres qualités sont mieux mais on m'a dit d'aller essayer les collants et j'ai trouvé que c'est en fait les collants les moins chers qui donnent le résultat que je veux, un résultat plus opaque et puis aussi une couleur qui va mieux avec ma couleur de peau. Donc, c'est un peu la base jaune. Les autres étaient un peu brillants et j'aime pas cet effet-là. J'aime le genre effet un peu danseuse de ballet. Et puis, c'est pour mettre avec mes robes. Donc, une couleur qui ressemble à mes jambes. Après, j'ai acheté deux paires de chaussettes ici. Mais, une minute là. Mais attends là. Où est la troisième paire?
j'ai vu la troisième paire ici. J'ai vu donc la troisième paire ici, et celle-là, je pense, elle est très bien pour les temps un peu chauds. J'aime bien, c'est une couleur très féminine, j'aime ce qui est féminin. Et après, encore des collants, j'ai ajouté un peu de collants. Et ceux-là, il en a en noir et gris, le grand, le petit, c'est possible. J'ai aussi acheté des collants pour moi, j'en ai déjà deux comme ça, que j'avais acheté l'année dernière. Et puis j'ai aussi, je pense, quatre gris. Excuse-moi mon téléphone. Donc ça, c'est parce qu'il fait très froid, donc je mets sous le pantalon. Parce que des fois, avec les mollets, il faut des collants. Mais j'aime pas les collants trop simples parce que ça gratte des fois ou bien c'est pas confortable. Après, j'ai acheté un, j'ai ouvert le paquet, mais c'est un Gorilla Pod. Donc, il est plus petit que je pensais. Le vendeur, il m'avait dit par téléphone qu'il allait être grand, que je pouvais le mettre devant et filmer. Mais il est vraiment trop petit, donc je pense qu'il me faudra un plus grand. Mais il peut s'accrocher quelque part, en fait. Mais c'est toujours bien de commencer avec un, comme ça on sait. La prochaine fois, je sais qu'il faut un qui est un peu plus grand. Donc après, j'ai fait une commande là, et une commande de Boxum, et c'est, j'adore Boxum. J'ai découvert cette marque l'année dernière. C'est une vendeuse qui me l'a recommandé, parce que d'habitude j'utilise les lip gloss de chez Bare Minerals. Des fois j'utilise avec celui-là qui est assez connu, le NYX Urban Café. Mais des fois il est un peu trop sombre pour le look que je veux. Un peu années 90. Mais il pigmente beaucoup. Donc, ah oui, l'autre je l'ai dans ma poche. Mais ça, c'est le genre de lip gloss ou bien de brillant lèvres que j'utilise. Donc là, j'ai fait une commande. Et c'était vraiment difficile de voir les couleurs en ligne. Donc le Kanani, c'est deux différents que j'ai acheté. C'est le lip gloss, le brillant de lèvres et puis le lip cream. Donc moi je pensais que celui-là il allait être plus comme un rouge à lèvres. Mais en fait il est aussi sheer, comme on dit, un peu transparent. Donc j'étais là à choisir la couleur pendant, les couleurs pendant 2 heures de temps, regarder des vidéos YouTube pour avoir une idée de quel genre de couleur ça va être sur moi. Donc là j'ai un rouge à lèvres, je pourrais faire une autre vidéo pour vous montrer, mais je suis très satisfaite, j'en ai essayé aussi hier. Donc celui-là, la couleur elle est parfaite sur moi, c'est un brillant lèvres, donc je vois pas vraiment la différence entre le... ça c'est un glossy pout, et puis celui-là il s'appelle... Bon je sais pas, peut-être celui-là il est plus brillant, celui-là il est plus... je pense que celui-là, il a des, comment dire, le glitter dedans, donc glitter. Mais je pense que celui-là, il est plus... Parce que je pensais que l'autre, le lip cream, allait être plus mat. Mais les deux sont brillants. Mais ça a l'air que celui-là, il a un effet plus, comment dire... comment je vais dire... Oh là là, j'ai mis un peu d'autres couleurs dedans. J'ai envie de mélanger les couleurs. Mais il est un peu plus, comment dire... laqué, ou bien un peu plus... celui-là brille d'une autre façon, mais je vais vous montrer dans une autre vidéo. Donc le Kanani, j'avais déjà utilisé. Celui-là, il est comme ça, donc vous voyez la différence. Et il est un peu plus, comment dire, il y a des de paillettes, on peut dire, mais il est plus transparent celui-là que l'autre. Celui-là il est un peu plus opaque, c'est-à-dire moins transparent, mais je pense que ça peut aller avec beaucoup de couleurs. Donc, le lip cream c'est ici. Après, le plus dur c'était de choisir les crayons pour les lèvres. Et là j'ai regardé plein de vidéos YouTube et c'est très difficile parce que quand on regarde les couleurs sur le site, c'est pas vraiment la même chose. Donc il faut se donner une idée de la personne qui met la couleur sur elle et comparer. Donc c'est le Dolly Danger et le Hush Hush. Le Dolly c'est une couleur que même, comment elle s'appelle, la fameuse youtubeuse, j'ai même oublié son nom, qui a maquillé Kim Kardashian. Mais elle a choisi un lip gloss dans le, avec la couleur Dolly. Donc voici les couleurs. Et ce que j'aime, c'est qu'il y a un pinceau aussi.
Donc c'est un rouge à lèvres en même temps. Donc je vais voir ici. Ah, j'ai mélangé en fait les crayons. Donc il n'y a pas beaucoup de différence. Il ressemble à mon Isadora. Donc vous voyez, il n'y a pas tellement de différence là. Vous voyez, pas tellement de différence. C'est un peu rosé brun. Et je ne dirais pas que ça contourne bien les lèvres. C'est un peu clair, mais c'est quand même une bonne base pour mettre. On voit quand même. Mais je pense qu'il y avait une couleur qui s'appelait. En fait, il y a une autre couleur, mais elle allait être trop foncée pour moi. Donc là, je vais mettre ça et ça. Donc voici le box-on que j'ai acheté. Après, je suis retournée à mon savon que j'avais en 2017 et je pense que j'avais aussi en 2018 une petite partie de l'année. J'ai toujours le problème de pouvoir enlever tout mon maquillage grâce à un savon. J'ai essayé Phil Orga, j'ai essayé Estée Lauder, Perfectly Clean, je l'utilise aussi maintenant. J'ai essayé Lancôme, j'ai l'éclat, et on dirait qu'ils ont changé la formule de Lancôme. J'ai essayé plein de savons. Et je sens toujours que quand j'utilise le coton pour nettoyer le maquillage après d'avoir lavé le visage avec le savon nettoyant, j'ai toujours plein de maquillage dessus, plein de fond de teint dessus. Donc on dirait que les savons, ça lave pas bien. Donc j'ai rencontré la vendeuse, elle m'a recommandé un savon qui s'appelle le Clay Chameleon. C'est de l'argile rouge du Brésil. Ah, c'est de l'argile rouge. Je me disais, c'est la boue rouge. Donc c'est clay, c'est l'argile en fait. Et ça n'enlève pas le maquillage complètement, mais il est super bien. Donc ça minimise les pores, ça rend un visage plus, comment dire, professionnel. Tu as l'air d'avoir fait un... Il y a un résultat immédiat en tout cas le lendemain. Je ne sais pas si c'était un mélange des deux qui a fait le résultat. En tout cas. Après, on m'a recommandé un masque parce que je sens que des fois j'ai des boutons, mon maquillage n'est pas bien enlevé. Donc, on m'a recommandé le Peel Off Mask, mais ce n'est pas vraiment le résultat que j'ai reçu. J'ai mis quand même une couche assez fine ou bien assez épaisse pour avoir cet effet où on tire le masque et puis pour avoir les saletés des pores qui restent sur le masque, et j'en avais pas. Peut-être que je n'ai pas de saleté dans mes pores, mais je pense pas parce que des fois j'ai des boutons dus au maquillage. Donc je vais ouvrir. Donc c'est une couleur noire ici, vous voyez. Je vais regarder là-bas dans le. Donc c'est une couleur noire, et puis il est bien. Et je pense que c'est ça. Ouais. Ma vidéo. Donc je vais vous laisser. Ah oui, j'ai acheté aussi, ben ça je vais faire dans une autre vidéo en fait. Je viens d'avoir une commande là d'un tapis qui s'appelle le Shakti tapis, et c'est un tapis qui en fait qui est comme un tapis d'acupuncture, et c'est vraiment quelque chose. J'avais mal à la nuque ici parce que j'avais mal dormi, et bon, j'espère que c'est un tapis qui va m'aider. Donc j'ai juste essayé pour voir, parce que j'ai des amis qui en ont, des membres de famille. Donc c'était ça, je pense que je n'ai rien oublié. J'ai montré le dernier fois, je pense. Et c'est ça. Ah oui, j'ai acheté un savon de main ici, de Pine Rock Rose. Donc c'est un arbre qui est très connu dans les pays scandinaves, et au Canada ça sent très bien, mais des fois j'ai l'impression que j'ai envie de me laver avec sur le visage parce que j'ai l'impression qu'aucun savon enlève vraiment le maquillage. Donc je pense que je n'ai rien oublié, c'était tout, et j'espère que vous avez aimé mon haul. Merci beaucoup, au revoir.